On enchaîne YouTube avec avec Pokémon. Spook 2 challenge. Hein. On a peut-être le temps de faire une petite run, un petit rang de marde à la fin. Pokémon, alors qu'est-ce qui se passe? Il s'agit simplement d'une run avec avec la Pokéball, hein, référence à Zelda, évidente. Et quand on l'envoie, on a un ami. On a un pote. Ce système, il est modifié dans ce challenge. Normalement, il a 3 charges. On l'envoie sur un ennemi, on le capture. Et il faut le recharger 3 charges pour l'appeler, quoi, pour l'envoyer. Dans ce challenge, on a juste à envoyer la boule n'importe où. Et on a un pote qui en sort. Et je crois que dès que le pote meurt, la boule est rechargée. Et voilà, exactement comme ça. Et voilà, hein, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, sinon c'est une run normale, sans item, jusqu'à Isaac. Voilà. Donc le principe c'est qu'on va avoir plein de potes. C'est la run des potes. On peut faire la cure, sinon il y a des cures partout à l'étage. Qu'est-ce que c'est? La blanque feuille, non, bah voilà, on l'avait unlock derrière. Oh c'est un XL! J'ai niqué mon David Deal, j'avais pas fait gaffe que c'était un XL. Enfin, j'ai fait gaffe en lançant, mais là je m'en souvenais plus. La plante rune hein, qu'on a débloqué tout à l'heure qui fait un effet de rune aléatoire quand on l'active. Donc on va la garder pour le boss pour reroll. Avoir potentiellement l'effet de reroll. Voilà. Et donc le principe ça va être de faire le plus de salles possible sans. Enfin de faire 3 salles sans que notre pote meure. Comme ça on peut en spawn un nouveau. Je veux dire en avoir deux quoi. Augmenter le nombre de potes. Ok, double cœur. Encore un pote, qui c'est? Ah, c'est un petit truc blanc de merde. On va aller refiler nos cœurs qui manquent, on va essayer de trouver le shop ou pas? Non, on a que deux pièces. C'est peut-être pas très utile. Ah, ça peut être utile pour bomber le marchand. En plus, on sait où il y a le shop, donc ouais, je vais y aller. Je vais y aller, ça va être nice. Hop. On va bomber le marchand. Double pièce. Ça suffira pas pour acheter quoi que ce soit. Et nos potes, hein, nos potes qui sont toujours là, ils vivent leur meilleure vie. Alors par contre, les deux ils spawnent l'un sur l'autre, c'est un peu de la merde. Les deux gars fixes là. Et on commence avec un cube de viande, bon ça c'est bien. Hein. Ça c'est sympa. Ça permettra toujours, si jamais il se passe rien, Si jamais il se passe rien, ça permettra toujours de se battre au corps à corps. Ah oui, et des fois on envoie des larmes qui charment les boss. Donc, enfin pas les boss en fait, qui charment les ennemis. Toutes nos larmes roses. J'allais dire pas de Devil Deal, mais si c'est bon, c'est juste que... C'est juste que... Il y a des boss. Alors ça devient très vite le foutoir quand même. Hein. Ça devient très vite le foutoir, on sait pas trop qui est à qui. Pas de Devil Deal. La rune c'était Berkano. Donc on a pas pu reroll Mum's Pearls qui me file de la range et de la luck. C'est pas dingue. C'est pas dingue, mais bon ça se prend. On va essayer de pas y passer 14 années sur ce challenge parce qu'on s'ennuie quand même pas mal. C'est rigolo sur le principe, mais. Mais c'est vrai que depuis cette run Back à Swords, on s'amuse plus trop. Hein. Bien honnête que. Rien ne pourra égaler cette run Back à Swords. Oh ce rebond. Il est à qui lui? Il est à moi ou pas? Ouais lui il fallait le battre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah j'ai un pote maléfique là, d'accord. Super. Ouais, désolé à la mouche hein, que j'ai tué. J'ai tué la mouche pour Qu'est-ce qui se passe? Qui est à moi? Qui n'est pas à moi? En fait, tout le monde est à moi là, il n'y a pas d'ennemi, il fallait juste appuyer sur la touche, enfin, sur le bouton. Ok. Très bien. Ici, il n'y a rien. Ici, oh, il y a du monde. Oh putain, mon pote qui a fait un snipe. Snipe à la bombe.
Et toi? Non mais oui, mais elle, elle explose, bien sûr que non, faut pas aller la taper au corps à corps. Abruti marne. Allez. Okay. Et vous là? Oh là là, mais vous êtes tant. Oh non, mais Flooded Caves, hein, c'est chiant. Flooded, c'est vraiment chiant quand même. Je sais qu'on en parle tous les jours, mais... Mais bon, voilà, faut dire la vérité. Bon, le magasin, on s'en fout, on a que 4 euros. Ok. Où est le Resident? Pardon. Tac. Bonjour. Oh non, mes potes. Laisse mes potes tranquilles, touche pas mon pote. Merde. Alors lui, il est pas moi, lui. Hein. Oh non, mais là, c'est illisible. On sait plus qui est à qui. Dans le doute, j'active le D-Ball. Pour me booster en dégâts un peu. Il a défoncé toute ma team. Tous mes potes. Pageant Boy, plein d'argent. L'argent, c'est bien. Ah voilà, parfait. C'est pas fini? Qui c'est qui reste? Ah mais il reste tout le monde. Il est où là le dernier? Ok. On prend tout, hein. Lago de tête pour Harley Devil Deal et Move the Void pour voilà. Le dommage up et les cœurs noirs éventuels en tuant un ennemi. Peut-être aller voir le shop là pour avoir un petit cœur bleu maintenant qu'on a eu Pigeon Boy, ce serait sympa. Oui absolument, on a même la boussole, bah super. C'est super. On a tout ce qu'il faut dans le shop. Oh, un petit cœur blanc là, je l'ai pas vu, mais il se prend. Hop. Ouais, je pense qu'on va attendre de faire un petit randomard à la fin. Parce que là, celui-là, il va finir. Ouais, tac tac tac. Pong, ensuite, il va assez vite. Donc ça va le faire. Putain, j'ai réussi à prendre ce dégât. J'ai réussi à prendre ce dégât. Ok. Les streams avant un moment. Ouais, c'est ça le problème. Ça, il fallait que je vous en parle, mais les streams là, ça va être compliqué parce que la semaine pro, c'est l'enfer. Et ensuite, c'est les vacances. Le cancer, on est très content d'avoir le cancer. Et malheureusement, pour les vacances, alors je vais peut-être essayer d'en caler un ou deux, mais ça va pas être la folie quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la semaine de merde là. La semaine de merde pendant laquelle je vais pouvoir streamer. J'aurais fait une pause pendant les vacances comme d'habitude. Mais là ça va faire 2 semaines à la suite quoi. Ça me fait un peu chier. Donc je vous tiendrai au courant. Par contre j'ai pas eu de clé là, c'est la vraie vie. Dans tous les cas YouTube normalement tu devrais être servi pendant un moment. Quoique non je dis ça mais en vrai je pense que jusqu'aux vacances. Ouais, non. Je pense que les VOD elles vont aller jusqu'aux vacances et ensuite ça va s'arrêter quoi. Okay, ça. On verra. On verra comment on procède. Le problème c'est que dans ma campagne, je peux pas vraiment streamer en bonne qualité quoi. Alors ça s'était déjà fait hein. On a fait le fameux stream Twitch Things mais. Merde. Ah, j'ai un demi-cœur par contre, il va peut-être falloir que je joue au jeu. Il était remarché. Je savais même pas qu'il était down. Je suis allé dessus hier, il marchait. Ouais, il va falloir des cœurs noirs là. Hein. Parce que là, on discute, mais. Mais j'ai pas d'HP. Attention à toi. Enfin, à toi, attention à lui plutôt. Et vraiment, Move the Void, hein, ça marche pas. Ah, alors ça, c'est pas si mal. Attendez, faut voir ce qui se passe. Il me faudrait une clé en fait. Ça, c'est un trinket qui permet de se heal un demi-cœur rouge quand on ouvre une porte. Donc en temps normal, c'est pas la folie, mais là, j'avoue que ça va peut-être sauver la game.
qui est mon pote et qui n'est pas mon pote. C'est confus. Ok, j'ai une clé, super. On va prendre ça. Aller au shop. Soit un demi-coeur. Acheter more options. Vert options plutôt. Récupérer le cancer. Dans la sacrifice room, il n'y a rien du tout. Enfin, si, un cœur rouge, mais voilà, c'est pas terrible. Avec les noms. Ah, ok. Ok. Salut, Vigas 13. Comment ça va? Double clef. Ok, les cœurs noirs. Les cœurs noirs qui tombent. Le gardien, alors, bah écoute, ça s'est bien passé. Non, mais pas du tout. Qu'est-ce que je fais? On va garder le cancer. Ce Guardian, ça s'est très bien passé. On a été un peu carry par la Satanic Bible, mais dans l'ensemble, c'est bien passé. Pas mal de dommages up. Et je crois que ça scale avec la Spear, donc c'est nickel. Ok, alors Gurdy, normalement, j'aurais l'occasion de faire un paquet de cœur noir avec Moth the Void. Vu qu'il fait spawn 800 trucs. Ok. Lui, bah, je suis pas devant lui, il est sur le chat. Je sais pas trop s'il a. Honnêtement, Bacasward, ça a sûrement dû plus l'énerver que The Guardian. Qu'est-ce qu'on prend là? Un cœur noir et des bombes ou du tears up? Vérifions le début de d'abord. Prend plus de ses morts. Merde. Lump of Call, parfait. Petit cœur noir là-haut, on l'a vu. Hop. Qu'est-ce qu'on en pense? On va prendre du tears up. Hein. Le tears up, c'est bien. Voilà, là, on a 5 de tears. On est content. Ce coffre doré en bas, là, pourquoi je l'ai pas ouvert? J'avais pas de clé. C'était mémorable. Ah ouais, non, sans déconner, c'était... Ouais, je pense que mémorable, c'est le mot juste. Je pense que mémorable, c'est le mot juste. Il y a eu quoi? Tiens, voilà, la VOD. Non, on va dire que j'ai utilisé la stratégie de l'esquive. Qu'est-ce que c'est? The Lover. Ah non, mais j'avais pas de carte. Okay. J'ai essayé de reposer mon ancienne carte, mais j'avais pas d'autres cartes. Super. Bah écoutez, on va aller. On se casse. Hein. Je veux pas trop les secrets dans ce challenge. Hein. Moi, j'ai Isaac quand même. Hein. C'est quand même un peu l'ennui. Hein. Il va falloir quelque chose, même si bon, là voilà, on commence à avoir des items. Hein. Curse of the Blind. Oh non, je sais pas comment je t'ai pris de dégâts là. Putain, mais l'autre en plus il fait spawn tous les... Merde, Amnésie. Amnésia. J'ai plus le temps de voir la map, je sais pas, je me souviens plus par où ça se passe. Il fait spawn tous les cerveaux de la terre là, l'autre. Super. C'est des mouches qui vont mourir dans le feu. C'est énorme. C'est cool. Ah ouais, non, non, mais c'était super cool. Hein. Franchement, on a rigolé. Hein. Franchement, on a rigolé. Hein. Je sais pas où je vais là. Hein. Si vous vous souvenez de où est le boss, n'hésitez pas à m'indiquer parce que là, moi, j'ai complètement zappé. Hein. Qu'est-ce que je prends? Ah, le sang par terre. Bah oui, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas dans quoi je marche là. Super, j'ai une mouche. Mais regardez-moi ça, c'est la Paris Games Week. On va où là? Là, il y a potentiellement du cœur bleu. Quel rame d'âme. Ah oui, là, clairement, clairement là, c'est le bordel. Hein. Non, mais là, j'en viens d'ici, non? Ah oui, vite, 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 vite. Ok, pièce. Oh là là, calme-toi. Putain, mais gros man, il va... Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Oh, il y a un gros rocher marqué. Enfin, un gros rocher, un rocher marqué spécial. Un super rocher marqué, putain, je vais y arriver. Tu peux laisser le truc volant faire spawn sans cerveau quand on rigole? Non. En plus, il est mort. Il est full mort. Ça peut être quoi? Ça peut être rien de fou. Parce que j'ai déjà la go-tête pour...
J'ai déjà la go-tête pour les Devil Deal, donc pas besoin du Joker. Et les Two of Truc en vrai. Les Two of Truc, on s'en fout pas mal. Ouf, je sais pas comment j'ai encaissé là, ça doit être la boule de bandage qui m'a protégé. Parce que je me suis mis en plein dans la trajectoire. Home of the Void est pas chaud. Hein. On va lâcher l'item aléatoire. Enfin, l'item du pif, je veux dire. Remote Detonator. Bah non. Ça a fait des bombes, mais. Mais c'est non. Commencez à faire les calls gauche et droite hein, pour le boss, vu qu'on est en Curse of the Blind. Je prends de l'avance. Je prends de l'avance pour les calls. Bon, par contre, c'est où que ça se passe? Ah oui, c'est vrai qu'on en était là et que j'étais revenu en arrière. Voilà, c'est bon. Par contre, Mob the Void, faudra vraiment que ça s'active un jour, quoi. Gruith. Ça n'est pas une direction, Bios. Oh non, Odd Mushroom. Ah, j'ai 3 tirettes, on a perdu 0,76. Ouais, super. Bon, on a 3 de tier rate, quoi. 3 de tier rate, il faudrait combiner ça avec un truc, je sais pas quoi, mais... Il faudrait combiner ça avec un truc bien. Qu'est-ce que j'ai gagné, là? Ah, un cœur, ok. Ah bah non, bah finalement, ce sera boule de bandage, donc ce sera à gauche. Bah, je sais pas. Il va quand même m'en faire spawn 2 lui. Ou un seul. Merde, bah super. Et le David Deal alors? Merde, bah là j'ai l'air d'un con. Ok super, j'ai réussi à faire ma diagonale. Guppy. Et de quoi Guppy? Ah, vous m'avez dit gauche, mais gauche c'est la boule de bandage. Je désobéis. J'ai bien fait. Désolé PHB, mais j'ai bien fait. Alors, est-ce qu'on peut jouer au jeu? Ah, il y a un shop là-bas. Bah bravo. Ah, DSL. Hein. Tears up. Non mais Tears up, on peut plus rien faire. J'aurais dû aller prendre le DD du coup. C'est vrai. J'aurais pu, j'aurais dû. Ah oui, il était encore ouvert avec la go-tête. Ouais, mais là, ça va le faire. Faudrait juste que, voilà, j'ai quelques cœurs noirs. Ce serait sympa que le jeu coopère. Voilà, comme ça. Il suffit de demander. Hein. On va bien recharger avant chaque salle. Ouais, bravo. Non, c'est bon. Je crois que j'avais repoussé la bombe trop loin. Ah, j'ai tué un pote, je crois. Bon, calmez-vous. Comment t'as connu le jeu? Moi? Isaac? Isaac, putain, je m'en souviens pas. Oh, je savais que c'était. Je savais que c'était un gros truc, j'en avais déjà beaucoup entendu parler et qu'apparemment c'était trop bien et qu'il fallait que j'y joue. Et quand j'ai eu la Switch, bah, je me suis décidé à l'acheter sur Switch. Et voilà, c'est tout. Je crois pas qu'il y ait d'autres anecdotes. Il peut reroll lui? Bon, j'ai pas envie d'essayer, ça me saoule. Voilà, et depuis, bah, c'est l'addiction. Enfile des cœurs noirs là, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ok. Ok, ok. C'est bon. Ou un cœur bleu dans les feux, enfin je sais pas, peut-être quelque chose quoi, enfin un truc. Attendez, j'ai un message là. De la plus haute importance, non c'est bon. Ok, nickel. Et bah let's go. Bonjour. C'est énorme. J'ai eu un cœur noir.
Allez! On a le Devil Deal, on a le Polaroid. Le Devil Deal, c'est un petit vaisselle, c'est très très bon. On a le vol et. Et le shield de temps en temps. Et au niveau du boss rush, on a. Oh, Holy Mantle, c'est sexy, mais en vrai, j'ai pas, pas envie de prendre tout ce temps pour Holy Mantle. Mais le Holy Mantle au boss rush, quand même, il fait plaisir. Hein. Il fait plaisir. Ok, on y va. Putain, j'ai cru qu'il y avait un ennemi de Flooded, mais en fait, c'est mon pote. Il va pas du tout me trigger à chaque salle, en tout cas, c'est ça qui est bien. Ok. Faut vraiment que je commence à recharger direct en fait. Genre là voilà paf. Tant qu'il est encore en train de se faire. Parce que moi j'attends qu'il finisse de se faire, c'est un peu con. Et alors je suis marqué, j'ai vu trop tard. Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Mais bon. Dans le doute on va aller le chercher quand même. Ok. Les grosses hormones vont se booster. La tête de Guppy, non, ouais, on s'en fout un peu. Pas item de Guppy, c'est un peu tard pour devenir Guppy. Même si là, Guppy serait très très fort avec ce build. Hein. 3 tiers. 3 tiers et. Ouais, j'ai que 573 de dégâts. Je croyais que j'avais un peu plus que ça. La power pile. On va descendre. Merde. Bon, j'ai le polin qui me fait une imbue. Je sais pas qui faut tuer là. D'accord, eux. J'avoue que c'est pas clair là. Il y a un cœur noir. Il y a une pilule. Je sais pas pourquoi elle est là, mais. Faut tuer qui? C'est bon. C'était pas clair. Oh, j'ai bourré là. Comme un sac. Ok. Petit cœur noir. Relax. Prends le facile. Allez, 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 allez. Hop. Hop. En bas. Ouais, mais les explosions qui me font pas mal en fait, c'est mes potes qui font ça. Tout à l'heure j'avais l'impression de me prendre des trucs dans la gueule, mais. Non, en fait c'est mes potes. Merde, alors là j'avoue que je bourre un peu. Ok, le tonsil on s'en fout pas mal. Pour du knockback, c'est pas très intéressant. Ah si, c'est rigolo, mais bon là on a le cancer donc on va le garder. Putain, et hit c'est pas de dégâts de contact. J'avais complètement oublié ça et je l'ai relu par hasard là sur Wiki l'autre jour. J'avais complètement oublié ce détail. Bon, allez, voilà. Là, je pensais c'est gagné. Hein. Tant pis pour les potes. Hein. Tant pis pour les potes, mais là, voilà, merde. À un moment, faut que ça se termine. Alors, on passe par où? On passe par en haut. Ouais, on passe par en haut, je pense. Ok, double cœur bleu. Et là, je perds. Ils sont où? On peut pas leur mettre de cubes de viande ceux-là? C'est pas du tout chiant. Pas du tout chiant ces ennemis en tout cas. Ou alors j'avais mal cadré là ma boule de bandage, mais il me semblait bien être dessus. Une pile, une phéromone, on s'en fout. Ça se passe là-haut. Ok, hop, hop, hop. Il y a plein de dégâts depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de pas me prendre alors que je devrais. Je sais pas si c'est juste moi qui fabule ou si j'ai une protection quelconque. Merde. Bon, je suis pas au courant. Je pense que j'ai pété les plombs, mais. Hop là. Il fait un noir, pas trop tôt, j'ai envie de dire. Bonjour. Ok.
Bonjour. Jean Bourrin. C'est moi-même. J'ai bourré toute ma vie. Je l'ai fait full cube de full boule de bandage. Alors que j'ai un build de l'arme pas dégueu. Mais pour le beau jeu, je l'ai fait à la boule de bandage. On a débloqué les clés chargées, qui sont des clés spéciales, qui permettent de recharger entièrement notre item quand on les ramasse. Donc c'est assez sympathique, mine de rien. Faut juste faire attention à ne pas les ramasser par mégarde et les gâcher. A plus YouTube, nous on va attaquer le dernier challenge Pong en stream.